J'ai fait l'escalade, le skate électrique, je suis en train de faire l'acrobranche et d'autres trucs. Je trouve ça bien, il n'y a que le temps qui n'est pas trop au rendez-vous. Mais sinon, les activités pour les enfants, c'est super. Ils ont déjà fait du poney et avec l'acrobranche, c'est génial, ils s'éclatent. Ça, c'est un peu plus grosse. Ouais. On présente un petit peu le loisir pêche et aussi la préservation du milieu aquatique avec présentation des espèces nuisibles du département et un aquarium avec les différentes espèces de poissons qu'on peut retrouver à la Marne et dans tout le département. Samour. T'as pris quoi ? Un petit vif. Et tu vas faire quoi d'autre cet après-midi ? Le skate électrique. C'est un moteur, une batterie, une télécommande et on gère ça en autonomie sur le skate, on fait des balades. Il y a quelques chutes ? Ce matin là, ça a été, ça gère, mais effectivement oui, il faut avoir un peu de dextérité parce qu'on peut tomber. C'est trop cool, j'aime bien moi. En tout cas, les jeux de combat comme ça, c'est plus c'est pas dangereux, il y a le matériel qu'il faut et tout. C'est bien. Moi, c'est ce que j'ai préféré en tout cas. Et le skate électrique. C'est formidable. C'est une découverte pour moi, ce concept-là. Je trouve que c'est vraiment extra. Il avait envie de faire de l'escalade. Bien, on a fait de l'escalade. Et cet après-midi, je crois qu'ils veulent faire la tyrolienne et plein d'autres choses. T'as envie de faire quoi, toi ? Je sais pas encore. Je vais regarder, mais j'ai déjà une idée en tête, faire de la tyrolienne. Au début, on appréhende un petit peu quand on est tout en haut. Et le fait de se lancer, après, ça va tout seul. Il suffit au milieu, naturellement, avec la descente, de lever légèrement les pieds et les mettre perpendiculaires. Et puis voilà, quoi. Aucun problème. Et quelle activité vous allez faire maintenant ? Je vais peut-être aller faire de l'escalade. Voilà. Ou du tir à l'arc. On a vraiment une bonne ambiance déjà. Ils apprécient en fin de compte le côté déjà sportif, sympathique. Et puis calme, sérénité, concentration. Voilà, c'est les points forts de notre sport qui, on l'espère, va attirer pas mal de monde dans notre club de Saint-Philbert. Vous proposez quoi à ce stand ? Des activités sur le vélo pour faire l'équilibre, apprendre à gérer son vélo. Il y a un peu de chute là sur le terrain ? Oh, c'est surtout les parents qui tombent. Les enfants savent tenir sur le vélo.